Eh bien bonjour, bienvenue à tous sur nos chaînes YouTube et Twitch pour un nouveau live matériel.net, un live qui va être consacré à une nouveauté toute fraîche, signée Samsung, le Galaxy Note 9 qui est sorti vendredi dernier. Donc vous avez peut-être déjà pu voir l'unboxing que notre réalisateur Kevin, qui est juste derrière la caméra, vous a fait. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans les détails. Vous connaissez le principe de nos lives. Vous posez des questions, on essaiera d'y répondre. Juste à côté de Kevin, mais ils ne veulent pas se montrer. Derrière, il y a aussi notre spécialiste téléphone portable, Alaric. Merci Alaric d'être avec nous. Et Jeff, qui se chargera de répondre à vos commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. On va, avant de commencer cet unboxing, je vous rassure, il est là. On vous montrera un peu ce qu'il y a dedans, ce qu'on peut faire avec. Pour ceux qui ne connaissent pas le Note 9, c'est quand même le flagship de Samsung. Donc on est face à du bon gros téléphone. D'ailleurs, Kevin vous a préparé pas mal d'images pour que vous le découvriez un peu. Si vous n'avez pas vu la conférence de lancement et d'autres petits insiders sur notamment comment il est fabriqué, eh ben c'est tout de suite maintenant. On se retrouve juste après. Without even touching the phone. Ultimate remote control. With the Galaxy Watch, you're not tethered, you're connected. Without even touching the phone. Ultimate remote control. Play music. With the Galaxy Watch, you're not tethered, you're connected. Without even the partnership we're announcing with Samsung today. It's a true ultimate remote control. Play music. Tell me some stuff. The Galaxy Note has broken the mobile technology. The partnership we're announcing with Samsung today. It's a new ultimate remote control. It takes the mobile experience to a whole new level. I'm focusing on what matters most in today's always-on mobile world. Our team of engineers and designers have developed our most extraordinary performance features yet. Today, we say the new ultimate remote control. Excited to see more mobile experience to a whole new level. One part of the record is the promising
With note, our focus has always been to deliver a cutting-edge smartphone experience like no other. And that's why today, Note 9 is the most powerful Note ever. The new super powerful Note. Tiens donc, un Galaxy Note 9. Côté packaging, rien de neuf sous le soleil, on a la même présentation sobre et appliquée que pour les derniers smartphones de Samsung. On retrouve donc le Note 9, le bloc d'alimentation de recharge rapide, l'adaptateur USB type C vers Type-A pour brancher entre autres vos périphériques de stockage, un adaptateur type C vers micro USB, un câble USB type C, mais aussi des écouteurs AKG intra-auriculaires avec des mousses à rajouter et une petite pince qui vous permettra de changer la mine du S Pen. Côté prise en main, le Note 9 s'en tire très bien et son écran de 6,4 pouces au format 18,5 et une définition Quad HD+, 2960x1440 pixels, flatte violemment la rétine. Mais ce qui a directement attiré notre attention, c'est le S Pen équipé du Bluetooth. L'intérêt de l'accessoire est de rédiger des notes sur l'écran de veille, de lancer l'appareil photo après une longue pression et de capturer une image en appuyant brièvement sur le bouton du stylet. Samsung vous laisse le choix de paramétrer plusieurs autres actions dans les paramètres, mais ce qui est intéressant, notamment pour une utilisation en entreprise, c'est de pouvoir l'utiliser lors d'une présentation PowerPoint. Pour conclure, on ajoute rapidement que la batterie est de 4000 mAh, que le stockage est de 128 ou 512 Go, et que le Note 9 existe avec 6 ou 8 Go de RAM. À côté de ça, il y a bien une prise jack 3,5, le lecteur d'empreintes digitales est repositionné sous les capteurs photo, non, l'écran n'est pas pliable, et oui, l'OS embarqué est Android Oreo. Merci à tous d'avoir suivi cet unboxing, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et Twitch, et de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et si vous avez des questions sur le Galaxy Note 9, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. En attendant, on se dit à vendredi pour un nouvel unboxing, d'ici là, prenez soin de vous, salut.
Tous ceux qui nous rejoignent, bon appétit hein, d'ailleurs au passage. Comme vous avez pu le voir sur cette séquence, le Galaxy Note 9, c'est quand même du bel ouvrage. Hein, c'est du bon téléphone. On va, pendant que je fais l'unboxing, je vais essayer de répondre à toutes vos questions et vous donner les précisions. Alors, on précise qu'il y a deux versions du Note 9 chez Material.net. Le 128Go, 512Go. Donc vous êtes à 1 009 € d'un côté pour le 128, 1 259 € de l'autre. Alors les différences, outre le stockage, en fait c'est sur la RAM. Vous avez le 512, il va être avec 8Go de RAM, alors que le 128 est à 6, ce qui est déjà franchement pas mal. J'en profite pour rappeler, sinon Alaric, notre responsable téléphone, va m'assassiner, qu'il y a une petite offre si vous achetez les accessoires, jusqu'à 100 € d'accessoires remboursés. Voilà, ça c'est dit. Donc, hop, le téléphone est là. On va rentrer un peu plus dans les détails. Je vois qu'il y a déjà une question sur la différence avec le Note 8. Eh bien, la différence avec le Note 8, la première, on va la voir, mais je vous la garde à la fin, par rapport au petit accessoire qui se trouve là, qui est le S Pen, qui est quand même en fait ce qui fait la grande force du Note 9. Vous avez un meilleur processeur, surtout. Là, on est sur un Exynos 2,8 GHz. Alors, c'est la grande mode, vous savez, pour éviter que ça chauffe, il y a du liquide dedans. Parce que le liquide, c'est la vie après le RGB. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de prime abord avant de rentrer dans les détails? Ah si, il y a une autre différence, c'est vrai, c'est l'appareil photo. Hop, on va passer sur l'appareil photo. Là, c'est un double capteur à ouverture variable. Donc, on va de 1.5 à 2.4. Pour ceux qui ne maîtrisent pas la photo, ça vous permettra d'être plus à l'aise en faible luminosité. On dirait pas, mais c'est dur à dire. Lumière, voilà, et ça permet de jouer avec l'ouverture, la profondeur de champ, c'est pas mal pour les pièces à faible recul aussi. Hein. Donc voilà, ça c'est pour la photo, mais on est quand même en présence d'un smartphone, donc c'est peut-être pas toujours sa vocation première. La photo, on est avec un AMOLED, Super AMOLED 6,4 pouces, c'est quand même un des points forts hein, chez Samsung, vous avez un écran franchement... qui déchire ou qui rocks du poney, c'est selon. On va continuer à balayer les specs. Donc, je l'ai dit, deux capteurs photo de 12 mégapixels à ouverture variable. Ce qui est pas mal. Ça, on pourra pas vraiment vous le montrer parce que on diffuse pas en 4K sur Twitch, mais vous pouvez filmer en 4K 60 images secondes. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je mets sur mon écran 4K, eh ben, tu mets les vidéos que tu as fait avec ton Note 9. Elle est type pas belle la vie. La batterie, je vois qu'il y a pas mal de questions. Effectivement, c'est quand même quelque chose de très positif chez Samsung. Ça avait été un peu reproché au Note 8, l'autonomie. Là, on a une 4000 mAh. Alors oui, 4000 mAh, ça ne veut rien dire à personne, je suis bien d'accord. On est sur une journée et demie d'utilisation normale. Chez les anciens, on disait un bon père de famille. Alors, ce n'est pas des benches Samsung, on vous rassure, comme d'habitude, nous, on va vous donner toutes nos sources. Vous trouverez ça dans les tests chez nos petits partenaires type Follandroid et Frandroid. Donc voilà, on va tout de suite passer, parce que quand même, sinon, je pense que vous allez vous demander qu'est-ce que le S Pen. Eh bien, c'est ça. Hop, caméra 1, caméra 2. Alors, comme il est en noir, vous ne le voyez peut-être pas, mais ici, là, vous avez un petit bouton Bluetooth. Qui permet le piloter à distance. Et puis, alors, tiens, on va faire une première démo directe. Alors, je vais vous le tourner dans l'autre sens, vous rigolez pas si j'écris mal. Là, je suis en écran de veille, j'ai sorti mon S Pen, je peux prendre des notes. Je suis en réunion, je suis au supermarché, j'ai besoin d'aller vite. Hop, coucou. C'est vachement dur d'écrire à l'envers, mais j'ai réussi. Voilà. Hop, pour effacer, vous avez une petite gomme, zoup, ultra réactif. Hein. Donc ça c'est vraiment le point fort du Note 9, c'est le mot qu'on a trouvé en français, peut-être pas très beau le terme de phablette, mais c'est bien une phablette, hein, je rappelle 6,4 pouces, on est quand même sur du gros format, là on le voit pas mais j'ai des grandes mains en fait, on dirait pas hein, mais j'ai des grandes mains. Donc on est avec un téléphone qui est assez grand du coup, qui est vachement lisible, et puis alors ce S Pen il permet de piloter à distance, alors là regardez, si je laisse une pression appuyée, hop, je passe en mode photo. Alors, le mode photo avec le capteur sur la table, c'est vachement intéressant quand même. Alors, double pression, que me dit Kevin, mais je sais ce que je fais. Donc, double pression, hop. Et là, je suis en caméra selfie.
Alors comment je vais faire pour vous le montrer? Voilà. Tchou-tchou, les copains. Et se repérer à l'envers sur une caméra, c'est vachement dur. Et si je veux prendre la photo, je ne mets pas mes doigts sur le capteur. Sinon, on ne voit plus rien. Voilà. Si je veux prendre une photo, normalement, j'ai plus qu'à faire une pression. J'ai perdu le petit bouton. Sur le bouton, et en fait, vous déclenchez la photo à distance. Alors, ça permet d'avoir un peu l'effet retardateur si vous voulez être sur la photo. C'est déjà pas mal. Moi, j'ai trouvé une autre petite feature sympa. Parce que, en fait, ça marche vraiment très très bien le. Pardon, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Très très bien le S Pen. Alors, si vous entendez du bruit, c'est qu'évidemment, on travaille. Et qu'est-ce qu'on fait à notre travail? Eh bien, on vous livre vos colis, messieurs, mesdames. Donc, tout le monde est sur le pont pour vous faire tous les envois de la journée. On est désolé pour le petit bruit. C'est pas grave, ça ne vous empêchera pas de découvrir ceci. Donc là, vous voyez, je suis dans ma barre de recherche. Il y a une petite icône, je ne sais pas si on la voit bien, qui est bleue. Je clique dessus et je passe en mode, j'écris pour trouver un site. Alors, je vais le tourner parce que là, ça va être compliqué pour moi. Et je ne vais pas faire d'effort d'écriture. Hop, matériel.net. Ah, j'ai vraiment écrit comme un gros porc. Donc, il m'a trouvé maternelle. Ça avait mieux marché tout à l'heure. En même temps, à matériel.net, des fois, c'est un peu la maternelle. Alors, j'ai matériel.vet maintenant. Et le double effet beau dans le lit. Voilà. Bim, ça marche quand même. Hein? Alors, qu'est-ce que ce site matériel.net? Ce site... Non, bon, d'accord. Alors, ça marche vraiment pas mal, le S Pen, c'est ce que je vous disais. Vous avez une autre fonction qui est vachement intéressante, c'est ce qu'on appelle le DeX. Alors, qu'est-ce que le DeX? C'est en fait la possibilité, via le câble USB-C, alors que je ne me trompe pas, c'est par ici, vous le reliez à votre écran de PC avec un USB-C vers HDMI, et en fait, vous retrouvez le bureau de votre smartphone sur l'écran du PC, comme si c'était une sorte de PC normal. Auparavant, vous aviez besoin d'une base, d'une station d'accueil pour activer ce mode DeX. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a juste besoin de mettre le petit câble ici, de relier à l'écran, comme j'ai dit, et vous avez directement votre interface mobile sur un bureau, ce qui est pratique pour les pros, ce qui est pratique pour les petits malins qui font du jeu mobile et qui se disent que quand même un PUBG, on vise vachement mieux avec une souris. Donc voilà, il y a plein de petites utilisations sympas. J'avais oublié de revenir un peu aussi. Moi, je trouve ça pas mal. Épaisseur 8 mm. Donc vous avez des bords arrondis, donc une préhension qui est quand même vachement agréable. Ça prend un peu les traces de doigts, on va pas se mentir. Et pourtant, j'ai pas mangé de croissant ce matin. Mes petits collègues savent ce qu'ils ont à faire pour demain parce qu'en fait, moi j'ai faim. On va terminer ce petit tour d'horizon parce que là j'ai parlé de l'USB-C, mais il y a quand même une prise jack 3,5 mm ici. Je fais un petit coucou à tous nos constructeurs qui se sont dit qu'en fait c'était pas bien les prises jack. Bon, bah, y en a qui ont continué de faire ça et c'est plutôt pas mal si vous avez un bon casque notamment. Il n'y aura pas de croissant demain, Chilou. Eh ben, les pains au chocolat, je dis bien les pains au chocolat et pas les chocolatines, sont acceptés également. Sur ce, je crois qu'on a fait le tour, sauf si vous avez d'autres petites questions. Existez, posez-nous bien des questions. Est-ce que le poids est bien équilibré pour éviter les douleurs musculaires sur le long terme? Nous demande David Alexandre sur YouTube. Alors en fait, comme j'ai pas de muscles, je ne sais pas. J'ai pas de muscles du tout, je suis en fait en adamantium, donc je suis jamais fatigué. Non, blague à part, nous, vous savez, il y a quand même pas mal de nouveaux smartphones qui sont arrivés sur le marché. Alaric, il est au taquet, que ça vienne de Chine ou que ça vienne de marques coréennes. Ces derniers temps, il y a eu pas mal de nouveaux modèles. Nous, on les prend un peu tous en main. Honnêtement, ils pèsent 200 grammes. Je le trouve pas très lourd. Ça fait un petit moment qu'on est dessus parce qu'on a fait l'unboxing avec Kevin. Donc, vous avez pu voir qu'on l'a quand même pas mal manipulé. Moi, je trouve pas qu'il puisse provoquer une douleur musculaire, sauf si on a un lien de parenté et que vous n'avez pas de muscles. Auquel cas, c'est gênant. Est-ce qu'il est compatible aptX HD? Alors, première petite chose pour nous demande Xander Stark sur YouTube. Première petite chose, le temps qu'on cherche la réponse.
En fait, la PTX, c'est un codec Bluetooth qui va vous rapprocher de la qualité audio, d'une qualité audio plutôt sympathique. Les premiers Bluetooth, vous aviez quand même une compression qui n'était pas toujours très agréable, surtout si vous avez un casque qui est pas, qui est plutôt de bonne facture. De passer sur du Bluetooth non aptx, je sais même pas honnêtement si on en trouve encore aujourd'hui, ça m'étonnerait. Donc pour te répondre, je vais être très franc ici, on va pas te raconter de bullshit, on n'a pas la réponse, cher viewer, pour la aptx HD. On vous trouve cette réponse là, vous la mettrez en commentaire du replay, que je rappelle vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube. Je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Je remercie encore une fois Alaric d'avoir prêté main forte sur ce live. Kevin à la réal comme d'habitude. Jeff en CM backup comme d'habitude. Merci à tous d'être restés avec nous sur ce petit temps du midi. On continuera à faire évidemment des petites choses comme ça. Pas prévues parce que nous on aime bien les imprévus, on est des ouf gueudins. Alors il n'est pas aptx HD, il n'est pas aptx HD. Je répète. Xander, il n'y est pas. Je rappelle, on a un live. Oh, on dirait que je joue du piano sans piano, c'est trop marrant. On a un live le 30. Le 30. Alors attendez, je vais vous faire. Je vais vous faire un truc de fou. On a un live le 30 pour vous montrer des PC. Et je vous mens pas. Alors je sais pas si la peluche. Elle est là. Est-ce qu'on voit la peluche? Youhou! Eh ben, c'est moi qui prépare le matériel avec notre ami Kevin. Vous voyez au sol des cartons. Non, on va pas vous faire un live de boîtier. Il y a des paysay dedans, mais on vous dira pas ce que c'est. Et dites coucou à l'équipe. Ah non, il a enlevé la caméra. Il n'a pas voulu parce qu'il y en a qui veulent pas se montrer. Sur ce, je vous redis bonne fin de journée à tous. Bonne fin d'appétit pour ceux qui nous ont suivis. Encore un grand merci à tous. Rendez-vous mercredi aux alentours de midi et demi pour ce live nouveauté pour lequel je serai accompagné de Vincent. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. À très bientôt sur les YouTube et Twitch matériel.net. The all new Galaxy Note 9. We designed a phone that can keep up with you. Without even touching the phone. Ultimate remote control. With the Galaxy Watch, you're not tethered, you're connected.
all new Galaxy Note 9. We designed a phone that can keep up with you. Without even touching the phone. Ultimate remote control. With the Galaxy Watch, you're not tethered, you're connected. Music. So the partnership we're announcing with Samsung today is a true cross-platform listening experience. From its inception, the Galaxy Note has put the most powerful mobile technology in the hands of those that demand it most. Meet the new, super powerful Note. It takes the mobile experience to a whole new level. By focusing on what matters most in today's always-on mobile world, our team of engineers and designers have developed our most extraordinary performance features.